Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Que le Très-Haut vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Sans plus tarder, je fais un communiqué officiel. Je pense que le pasteur Élie vous a tenu informé. Ce mois-ci, dès l'urgente, personne n'entre. Tu sois pasteur, tu sois ancien, tu sois qui que ce soit. Parce que c'est le berger face aux brebis. Dès lors, le berger entre, tout le monde est brebis. Arrangez-vous pour être là à temps. Cette semaine, les travailleurs, vous pouvez demander des mesures pour qu'on vous libère. Dans le cas contraire, suivez la prédication à l'extérieur. Cela qui parle avec papa l'a dit, vous devez le conseiller. Quand on venait, il nous a bloqué avec sa petite voiture là. Ça me fait mal, mais je vais l'appeler le soir pour lui dire qu'il se corrigea. Mais quand on vous élève, vous devez faire attention, peuple de Dieu. Ézéchiel 36, 26. Nous déclarons tout d'abord le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 36, le 26e verset, nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Peuple de Dieu, nous sommes dans notre mois déterminant, le mois de la vision. Et comme c'est le mois de la vision, soyons sensibles pour la gloire de Dieu. Et cette sensibilité va nous donner beaucoup de bonnes choses, et cela pour la gloire de Dieu. Là où tu es, par moment tu racontes des incongruités, par moment tu dis, par moment tu murmures, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je ne suis pas là où moi-même je veux? Pourquoi je ne témoigne pas? Pourquoi jusque-là je ne vois rien? Ce mois-ci, comporte-toi en brebis. Dès lors que tu te comportes en brebis, ça fera quelque chose de bon, quelque chose de meilleur. Sois là à temps. Jamais ce mois-ci, quelqu'un entrera après moi. Pas d'excuses ce mois-ci. Dès lors, j'entre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je suis en train d'entrer, déjà, je passe là-bas avec mon équipe et vous fermez toutes les portes ce mois-ci. Parce que nous devons être dans la bergerie. Dans la bergerie, dès lors le berger entre, il s'enferme avec les brebis pour que ces derniers prennent du vert pâturage. La bergerie, peuple de Dieu, c'est l'enclos là où il y a du vert pâturage. C'est notre mois de la bergerie de Dieu, terre promise. C'est le mois du vert pâturage. Tout soin, vie, abondance. Que le bon Dieu vous bénisse. Le vert pâturage, c'est cette parole que je suis en train de te donner. Sois la véritable brebis en train de prendre cette parole. Je veux faire un peu de mélange avec le livre d'Ézéchiel et certains livres que je vais développer ce mois-ci. Au 26e verset, nous venons de lire, quand Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ça veut dire, après le brisement de l'alliance,
Dieu voudra renouveler son alliance avec son peuple. Ce que Dieu veut, il veut que tu rentres dans la ligne droite. Et rentrer dans la ligne droite, il dit, j'ôterai votre corps. Vous comprenez? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi le cœur de chair? Le cœur de chair, c'est un cœur sensible. C'est le cœur là où on peut mettre le sceau, le cœur réceptif de la révélation de la parole de Dieu. Une brebis qui n'a pas de parole, c'est fini. C'est une brebis qui n'a pas droit à croître. Et quand on n'a pas de croissance, cela reviendrait à dire on n'a pas sa bénédiction. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Le 27e verset, il est bel et bien dit ceci: je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Avec le cœur de chair, qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu, quand quelqu'un a un cœur de chair? Dieu, il scelle, il donne la loi, il donne la parole, il donne les ordonnances, il donne les acquis pour que la personne ne se tourmente pas, la personne n'aille pas ça et là. La personne doit rester dans la ligne droite. Et quand on va à l'encontre de la ligne droite, on commet une erreur gravissime, peuple de Dieu. Vous devez savoir une chose dans la vie. Quelqu'un qui est en train de conduire, comme tout à l'heure quand on venait, vous devez savoir, le cortège a la priorité. Toute personne qui a étudié, toute personne qui est intelligente, toute personne qui connaît le code de la route, le cortège est quasi prioritaire. Quand on voit quelqu'un qui s'hasarde à faire du n'importe quoi, il n'a pas de tête. C'est très important, peuple de Dieu. Alors, c'est pareil avec la parole de Dieu. La parole, comme nous sommes conduits comme brebis, et la brebis est dans une route, on te sort, on te retourne dans la bergerie, parce qu'on sort et on entre. On sort, on vaque à ses occupations, on rentre plutôt, on est enseigné, on reçoit la parole, après on rentre à la maison pour appliquer. C'est la bonne conduite qu'on te donne. Comment tu vas t'orienter dans la cité? Comment tu vas vivre dans la cité? Tu as ce qu'on appelle la bonne conduite, l'éducation spirituelle. Parce que il y a l'éducation parentale, il y a aussi une éducation spirituelle. Cette éducation te dote une capacité intrinsèque, celle du respect, de respecter les normes qui s'avèrent être la parole de Dieu. Et quand tu respectes la parole de Dieu, tu es proche à toutes sortes et formes de bénédictions. Quand tu respectes la parole de Dieu, tu ne manqueras de rien. Tu seras toujours là où Dieu te veut. Demain, après-demain, Dieu fera de toi quelqu'un qui sera assis, quelqu'un qui ne va plus vagabonder, quelqu'un qui ne va plus errer, ça et là, peuple de Dieu. La parole de Dieu, elle est unique et exécutoire. Elle ressort ses effets illico presto. Autrement dit, au même moment je parle, au même moment Dieu est en train d'aligner tes bénédictions et leur timing. Il dit cette parole, son temps d'exécution ou le temps exécutoire, c'est demain. Le temps exécutoire, après demain.
Par rapport à la maladie, il dit, c'est maintenant. Alors, et là, tu reçois un cœur de chair, cette parole devient le sceau, on écrit, celui-ci mérite la bénédiction. Quand Dieu ordonne la bénédiction de te suivre, la bénédiction trouvera la révélation. Et dès lors, tu as cette révélation, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 28 à 29, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, Dieu dit, je suis fidèle à toutes mes promesses. C'est que j'ai dit à Adam, c'est que j'ai dit à Abraham, c'est que j'ai dit à Isaac, c'est que j'ai dit à Jacob, c'est que j'ai dit à David, c'est que j'ai dit à Don de Dieu qu'Allah dit, soyez-en rassurés, ça va se réaliser. On ne parlera plus de la famine. Il n'y a pas de prière pour dire Dieu donne-moi à manger. Non, Dieu sait que tu as besoin de quoi mettre sous la dent. Dieu connaît tes besoins. Dieu sait, celui-ci cherche du travail, tel cherche le mariage, tel cherche les enfants, tel cherche telle ou telle chose. Cette parole, c'est ta clé. Ça va tout ouvrir. Ce mois-ci, Dieu va te donner une clé pour tout ouvrir. Et cela pour la gloire de Dieu. Le 30e verset, il est dit ceci. Je multiplierai les fruits des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations, parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous, ce mois-ci, nous nous enfermons avec le Seigneur, en train d'écouter la parole. Brebis, face au berger, le berger qui te parle, avec le bâton de commandement. Ce que nous faisons ici, ça va apporter la nourriture à ce pays. Ce mois-ci, c'est le mois de provoquer la main de Dieu sur notre nation. Nous ici, nous nous enfermons avec Dieu, mais Dieu est en train d'agir et les bonnes choses, nous allons les voir. Et cela pour la gloire de Dieu. Dieu ne va pas décevoir quelqu'un ce mois-ci. Je te dis, tu ne seras plus déçu. Voilà pourquoi il y a des turbulations, il y a des combats par-ci, il y a des combats par-là. Le diable utilise tout le monde. Il faut faire attention ce mois-ci. Le diable utilise tout le monde pour te faire rater ton quart. Fais attention. Ce mois-ci, je ne suis pas papa de quelqu'un. Ce mois-ci, je n'ai plus d'enfants. Ce mois-ci, je suis le berger des bergers et des bergères. Et tout le monde doit se conformer à la bergerie pour recevoir du lait et du miel. Ce mois-ci, je ne suis que l'homme de Dieu. Point barre. L'instrument de Dieu. Point barre. Utilisé par Dieu. Point barre. Ce mois-ci, je ne suis plus juriste. Je ne suis plus manager. Je ne suis plus analyste. Je suis l'homme de Dieu en train de parler ici devant pour que la gloire de Dieu éclate, qu'une onction particulière soit déversée ce mois-ci pour que toi, je dis bien toi, ce mois-ci, je dis bien toi et ta maison, vous devrez témoigner la grandeur de Dieu. Ce mois-ci, enlève en toi tous les dossiers maléfiques. Parce que le diable
va utiliser n'importe qui. Le diable va utiliser n'importe quoi. Tous ces rats se faisant des humains, qui sont des énergumènes, on va les utiliser. Les béliers, faites attention, toi, la brebis de Dieu, ce mois-ci, pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu te bénisse. 31e verset, il dit ceci. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, qu'est-ce que Dieu voudra dire? Il dit, rien, et alors rien, ne peut empêcher sa main d'agir. Il va te donner pour que tu sentes qu'il est bon, qu'il est compatissant. Et quand il va te donner, toi-même, tu auras honte. Tu vas dire, je ne mérite pas tout ce que j'avais fait. J'ai critiqué, j'ai raconté des choses, je doutais, je disais, Dieu est incapable. Mais toi-même, tu vas commencer à regretter quand tu auras des millions, des milliards, ton travail, quand tu auras tout ce que tu cherches, ta promotion, quand tu auras ta réussite. Tout cela qui doute, est-ce que je serai véritablement marié? Est-ce que j'aurai un bon boulot? Est-ce que Dieu pourra aussi m'élever? Je te dis, quand vous me regardez, est-ce que je suis mendiant? Est-ce que je vais de porte à porte? Est-ce que je vous dérange? Mais alors, ce Dieu vivant, ce Dieu puissant qui prend soin de moi, qui me donne la vie, qui me donne l'abondance, va vous donner plus que moi. Plus que moi, ce mois-ci, plus que moi. Dieu va vous élever parce que j'aimerais être fier de vous. Vous, mes bergers et bergères, qui sont tout d'abord mes bergers, et je vous présente à Dieu, et vous êtes les bergers des bergères de Dieu. Je dois être fier de vous. Quand je vous regarde, je dis, Seigneur, tu m'as donné des brebis. Quand je regarde, je dis, Seigneur, j'ai la consolation à travers de vous, peuple de Dieu. Soyez honnête, soyez intègre, soyez crédible, soyez des gens qui vont me consoler, peuple de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il va faire avec vous, non, ça va me consoler. Et cela pour la gloire de Dieu. 32e verset, il est dit ceci. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ça signifie quoi? Dieu, il n'agit pas à cause de vous. Non, il a souvenance de ses promesses. Il a souvenance de ta création. Il a souvenance de ton appel. Il a souvenance, il dit, c'est moi. Et alors moi, qui ai fait cet homme-là servante, et plutôt cet homme-là serviteur, cette femme-là servante. Dieu se souviendra de toi, le don qu'il t'a donné, le ministère qu'il t'a donné, à partir de ministère. À partir de dons, non, ce que Dieu va faire avec vous, vous allez vous étonner vous-même. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est fidèle. Il ne ment pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fera des grandes choses pour que vous puissiez témoigner de sa grandeur. Étant donné, Dieu a souvenance de sa promesse. Dieu, il dit... Il se réveille et dit, oui, je suis Dieu. Personne m'a écrit pour dire, commence l'œuvre de la création. Qui avait écrit à Dieu, envoie-nous Jésus?
Qui a dit à Dieu, Jésus, il faut qu'il meure pour nous? Qui a dit ça? Mais c'est Dieu lui-même. Il a tout commencé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mangé. Il dit, il va te créer. Et tu es là. Comment est-ce que les autres sont morts? Mais toi, tu vis. Et encore, il te garde pour que tu pleures? Non. Beaucoup de bébés sont morts. Tu étais bébé, il t'a gardé. Parce qu'il a une mission avec toi. Cette mission qu'il a avec toi, sois rassuré, c'est lui-même Dieu dans sa conscience. Il se rappelle, c'est moi-même qui avais dit à ces gens de commencer l'œuvre de Dieu au mois de juillet. Comme c'est moi qui avais commencé mon œuvre, je chemine avec l'œuvre, je termine avec l'œuvre, et il va nous gâter ce mois-ci. Nous sommes les gens qu'on va gâter ce mois-ci par Dieu. Bien sûr, de la gâterie positive, pas la gâterie négative. Ce mois-ci, peuple de Dieu, disons ensemble, c'est notre mois. Notre mois de témoigner. Notre mois de l'élever. Parce que ce mois-ci, j'aurai mes réponses. J'aurai mes solutions. À tous mes problèmes. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Wa couper la mouille. Eh. Wa couper la mouille. Wa couper la mouille. Eh. Wa couper la mouille. Coupez, coupez. Et la satana m'a dit Zimba. Et wa chimba kani. Et wa tata kani. Et la ibianza moulou. Et la, et la, et la. Tous les, tous là. Tous les, tous là. Tota, 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 tota. Tota, 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 tota. Cheval, 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 cheval. Tirez! Part! Tirez! Tiens ta suèche! Tiens ça! Tiens ça! Tiens ça! Tiens ça! Tiens ça! Tiens ça! C'est ça, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Chaud, 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 chaud. C'est au moins. Du 33e au 35e verset, nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes. Et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants.
Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées et désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dieu, dans son amour infini, il dit non seulement je vais vous retourner dans vos droits, parce que il y a les droits, il y a aussi les devoirs. Je vous vois venir, je vous vois regardant, cherchant, pleurant et chaque fois disant où est le véritable Dieu. Il dit je suis là, je vais consoler tout en chacun. Parce que vous avez pleuré et je vais vous peupler. Je vais vous rendre un nombre inestimable. Non seulement je vais vous peupler, je vais aussi vous nourrir. Je vais vous vêtir. Je vais vous élever. Je vais vous donner les moyens. Et ces moyens dépasseront l'entendement qu'à tout en chacun. Parce que je vais relever là où il y avait les ruines. Dieu va relever d'autres bâtiments. Ça voudrait dire quoi? Tout ce que tu avais perdu, tu avais pleuré. Le temps là que tu as beaucoup pleuré. Chaque jour quand tu es sur ta couche, tu pleures. Tu as tout perdu. Où sont les moyens? Où est ma santé? Où est ma santé? Je ne fais que prendre les comprimés. Jusqu'à quand? Dieu dit, ce qui était détruit dans ton corps, je vais rebâtir. Les reins qui ont des problèmes, Dieu va les restaurer. Dieu, ce qu'il va faire avec toi, tu vas t'étonner. Tu as les maux d'yeux, maux d'estomac, maux des intestins, tout ce qui te dérange. Tu ne fais que pleurer. Tu dis, où est Dieu? Je te dis, il est vivant. Il est vivant. Ce Jésus, mort pour la honte pour nous, mort pour nos choses néfastes, Jésus est ressuscité, assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous les coupables. Aujourd'hui, nous sommes purifiés, sanctifiés, mis à part, protégés par Dieu et Dieu seul. Il est temps, peuple de Dieu, de comprendre une chose. Dieu est dans ton cœur. Ne regarde plus là-bas. Tu vas voir les avions en train de voler. Tu vas voir les méchants là-bas avec leurs satellites. Mais Dieu, aujourd'hui, il dit, j'habite dans ton cœur. Et ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. La restauration est quasi certaine. Ne pleure plus, ne regrette plus, ne murmure plus, mais remercie ton Dieu parce qu'il est un Dieu vivant. Que le bon Dieu te bénisse. 36e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et les nations qui resteront autour de vous auront que moi, l'Éternel. J'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Quand Dieu agit, qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Il va agir dans ta vie. Il fera de bonnes choses dans ta vie. Il va t'élever. Il fera des grandes, alors des grandes choses dans ta vie. Ceux-là qui t'entourent, ceux-là qui nous entourent,
ceux qui nous regardent, les voisins de partout, les voisins de notre pays qui nous combattent, ceux-là qui te combattent, tes voisins de ta maison, tous ceux seront dans la confusion. Parce que Dieu ne va pas les laisser tranquilles pour continuer à faire n'importe quoi. S'il y a quelqu'un qui pensait qu'il avait le pouvoir sur toi, il pouvait te bloquer. Aujourd'hui, il n'y aura plus de blocage. S'il y a quelqu'un qui disait, il peut jeter les mbassous sur toi, les massacres sur toi, cette fois-ci, va piétiner. Nyata satana! Nyata e! Nyata satana! Nyata e! Nyata bambasu nyata! Nyata! Nyata makasi! Nyata! Nyata maladie! Nyata! Nyata pauvreté! Nyata! Nyata, nyata, nyata satana! Nyata e! Nyata makasi! Nyata! Tu as le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toutes les œuvres de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Romains 7:38. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël, par la bergerie des dieux terre promise. Comment il va fléchir lui aussi Dieu? Ah, ça c'est bon. Voici ce que je ferai pour eux, ce que je ferai pour vous. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, tu as beaucoup perdu des êtres chers. Dieu va te consoler. Parce que Dieu va aussi fléchir. En train de réfléchir. Vous comprenez? Il fléchit en train de réfléchir. Se disant, tel prie chaque fois, tel chaque jour à l'église, même les gens parlent, les gens racontent, vous ne vous fatiguez jamais. De la même manière on dit, nous on ne se fatigue pas parce qu'on nous voit chaque jour à l'église. C'est de la même manière, l'abondance va primer et là vous verrez ce que Dieu va faire avec tout en chacun. Parce que Dieu, il réfléchit en fléchissant, en disant, cette fois-ci, tu as droit à une consolation. Voilà pourquoi Jésus a dit, il aurait fallu que je m'en aille, et lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il est déjà là, le consolateur. Ne t'étonne pas, il est dans toi, il n'est plus loin de toi. Et cette parole, fais asseoir le consolateur. Partout où tu seras, il va te consoler. Tu feras comme Abraham. Le temps arrive pour qu'Isaac ait sa femme. Abraham a envoyé qui? Le vieux serviteur. Mais toi, toutes les fois, tu auras besoin de quelque chose. Tu n'as pas besoin d'un vieux serviteur. Tu ne peux pas aller chercher un ancien pasteur. Non. Tu vas te regarder toi-même. Tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin du boulot. Saint-Esprit, tu connais mes besoins. Saint-Esprit, tu sais ce que je cherche. Va toi-même me chercher tout ce dont j'ai besoin. Nous terminons avec le 38e verset. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux. Donc, pareil au troupeau consacré, au troupeau qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, et ils sauront que je suis l'Éternel, parole du Seigneur Tout-Puissant. On saura qu'il est Dieu,
Le Congo a perdu beaucoup de gens à l'est. On a perdu beaucoup de gens au centre. On a perdu beaucoup de gens à l'ouest. Partout, on a perdu des gens. Quand on dit l'est, même notre Katanga fait partie de l'est, peuple des dieux. Nous avons perdu beaucoup de bonnes choses. Nous avons perdu nos minéraux. Nous avons perdu nos dieux. Dieu n'est pas fou. Cette fois-ci, il dit plus question cette perte. On ne travaille plus pour la perte, mais nous travaillons pour le gain. Cette fois-ci, nous gagnerons proprement. Cette fois-ci, nous gagnerons sans bafouiller. Cette fois-ci, nous gagnerons sans trembler. Cette fois-ci, on gagne proprement. Quelqu'un dit, je gagne proprement. Je gagne proprement. Parce que mon alliance avec Dieu est confirmée. Ce soir, Dieu vient de restaurer mon alliance avec lui. Voilà pourquoi, avec Dieu, je ferai des exploits et tous mes ennemis seront anéantis. Que Dieu bénisse sa parole. Ton alliance avec Dieu est renouvelée pour que tu gagnes sur tout le plan. Et qu'est-ce que tu diras? Mon alliance avec Dieu est renouvelée pour que je gagne sur tout le plan, avec autorité. Le premier jour du mois, Dieu a renouvelé l'alliance avec lui. Capitalise cette alliance avec Dieu. Prions avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, mon alliance avec Dieu renouvelé pour que je gagne sur tout le plan. Je capitalise cette parole de ce soir qui confirme cette alliance renouvelée, restaurée avec Dieu pour que je gagne sur tout le plan. Dieu de grâce, Dieu de puissance, le miséricordieux, lent la colère, riche en bonté, magnifique en sainteté. Cette alliance que je renouvelle avec toi, c'est pour que je gagne tout ce qu'on avait perdu. Oh Dieu, nous nous sommes regardés hier et toi Dieu, tu as eu pitié de nous. Tu as renouvelé l'alliance avec nous pour que nous puissions gagner sur tout le plan.
au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à Dieu, tu m'as accepté. Renouveler mon alliance avec toi, ça veut dire moi et toi, Dieu, nous formons un et un seul corps. Dieu ne se désolidarise plus de nous. Il est avec nous. Avec Dieu, nous formons un et un seul corps. Parce qu'il vit avec nous. Il vit là-dedans. D'où avec Dieu, nous formons un seul corps. Capitalise cela. Prions au nom de Jésus-Christ. Je capitalise au Dieu de gloire. Le Dieu de puissance, cette alliance reformulée, cette alliance restaurée, cette alliance régénérée, cette alliance renouvelée avec toi, Dieu, je la capitalise, je la saisis. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Dans cette alliance, oh Dieu, j'ai des bonnes choses, j'ai des grandes choses, j'avance, j'avance. J'arrive, je ne tergiverse pas, je suis là où tu me veux, ô Dieu, avec les bergers et les bergères qui font ma fierté, la confirmation d'être serviteur de Dieu. Papa, sois béni, papa, sois exalté, papa, sois magnifié, papa, sois adoré, papa, sois honoré, au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Tu vas dire ceci à Dieu, Seigneur, que cette parole nettoie ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Cette alliance est la confirmation de ma pureté, de ma sanctification. Que la saleté se sépare de moi. Le péché se sépare de moi. L'iniquité, mensonge, toutes ces choses du diable. Aille loin de toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Cette grâce unique, cette grâce de Dieu, cette grâce qui me donne de la fierté, qui m'offre une occasion unique dans son genre, pour que je me sépare de la saleté, pour que je me sépare de l'iniquité, de l'enchantement, de l'envoûtement, de la sorcellerie. Cette grâce de Dieu fait de moi un homme bien fait, un homme bien bâti, un homme puissant, un homme autoritaire, un homme mis à part, un homme gentil, un homme crédible, un homme intègre, un homme qui est grand et puissant, un homme fort, compatissant, un homme béni, un homme élevé, un homme mis à part, un homme protégé par Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Ce soir, tu vas dire ceci à Dieu, Seigneur, je me sépare de toute malédiction. Je me sépare de toute pauvreté, quelle que soit sa forme. Prions au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de toute malédiction, de toute pauvreté, quelle que soit sa forme. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de grâce, le Rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur de nations, toi qui es le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Saint, le vainqueur de nations, l'Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, le rejeton de la postérité de David, le lion de la tribu de Judas, Seigneur Jésus, tu es digne de louange, tu es digne de puissance, tu es digne de magnificence au siècle des siècles, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Béni sois-tu, ô Père, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, l'agneau de la rédemption qui ôte le péché du monde. Sois exalté,
soit magnifié, soit adoré au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Béni sois-tu, ô Père, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, l'agneau de la rédemption qui ôte les péchés du monde. Sois béni, sois exalté, sois magnifié, sois adoré au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier. Tu vas prier pour ta parcelle, ta maison, toutes les chambres, les coins et recoins. Déclare la purification de ta parcelle, coin et recoin, avec autorité, prie au nom de Jésus-Christ. La purification de ma parcelle, coin et recoin, je déclare au nom de Jésus-Christ la pureté, la pureté, la pureté, la sanctification, la mise à part, la protection au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Béni sois-tu, ô Père. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Tu vas déclarer, je suis la brebis de Dieu. Vas-y. Avec autorité, je suis la brebis de Dieu. Avec puissance, je suis la brebis de Dieu. Déclare encore, je suis le berger. Déclare. Je suis le berger de la bergerie de Dieu, terre promise. Ce mois-ci, j'aurai beaucoup de moyens pour faire la bonne évangélisation. L'évangélisation par les moyens, par la capacité révélatrice. Merci Seigneur, laisse-moi bénir ton peuple. Vous êtes bénis, vous êtes mis à part, vous êtes protégés par Dieu. Peuple de Dieu, l'onction particulière est sur vous. Vous êtes richement bénis. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que le Très-Haut vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Demain, attention, ceux qui ont fait les cheveux en mettant des choses étrangères, demain, enlevez ça. Cheveux naturels sans fil.